Donc aujourd'hui, un petit test d'ouverture sur deux cylindres que je vais envoyer à un crocheteur suédois dont le pseudonyme est Dog Poop sur le forum anglais. Bon, ne me demandez pas la traduction, hein, mais apparemment c'est un garçon qui aime bien les chiens. Donc voilà, donc on commence par un cylindre Vachette V6. Donc 6 goupilles avec des bobines, du classique par chez nous. Mais je pense pas que ce soit très connu en Suède. Voilà, donc on tâte alternativement comme d'habitude, hein, la goupille dure, en guettant un décalage important, ce qui indiquera qu'on se trouve dans une bobine. Bon, ça fait un petit moment que j'avais pas projeté celui-là. Il faut retrouver les sensations, hein, mais si on y va doucement, normalement, il n'y a pas trop de problème. Voilà, ça cliquette doucement. Voilà, petit décalage. Donc on va le faire dans l'autre sens maintenant. Donc c'est le même principe, hein, sauf que dans ce sens là, comme l'entraînement dans le même sens que le placement des bobines, des fois c'est un peu plus compliqué pour les passer. Comme c'est 0. Deuxième, assez basse à placer. Bon, l'entraînement doit rester relativement léger quand même, hein. Pas trop brûlé, on a plus de sensation. Voilà, décalage. Donc là, il va me rester une bobine. Voilà, ça s'accentue. Voilà la bobine. Bon, comme je vous disais, hein, j'ai du mal à la passer. Pas passé encore. Donc là, un entraînement de deux côtés serait pas mal parce que cette bobine, j'arrive pas à la placer. Voilà, là je l'ai placé, je pense, mais j'ai eu des remontées, donc je retâte les autres goupilles. Donc maintenant on passe à un classique, hein, c'est pas un cylindre français mais c'est espagnol, donc le PE5. Bon, celui-là je l'ai eu récemment, hein, mais au début il m'a fait me poser pas mal de questions. Mais en fait c'est que les ressorts sont fatigués et que faut vraiment pas. Faut vraiment y aller doucement sur les goupilles, hein. Notamment la première qui est déjà en place en fait, pratiquement. Donc si on l'enfonce trop, c'est mort. Et comme en plus elle est assez haute, on a vite fait de l'enfoncer trop. Voilà, donc entraînement moyen et par contre vraiment très léger sur les goupilles, hein. Faut vraiment les enfoncer juste un petit poil à chaque fois, jusqu'au clic. Voilà, donc là un peu de rotocard sur la 4e-5e. Donc je retouche un peu les autres. Voilà, 5e, 3e, 4e, ouverture. Donc dans l'autre sens d'entraînement, bon c'est le même principe. Oui.
Première goupillure. On avance petit à petit. Vraiment des petites touches très légères. La deuxième qui a passé très bas. Ah, l'ouverture, c'était rapide.